Au Méditerranée, enfin, depuis quelques années, on travaille en partenariat. Et puis, le mot d'ordre, en fait, c'est de s'adapter en fait aux usagers, hein, et aux usages. C'est-à-dire, la ville, elle n'est pas faite pour n'importe qui, elle n'est pas faite que pour les promoteurs, elle est faite aussi pour les gens qui, et surtout pour les gens qui y habitent et qui en ont l'utilisation. Donc, ce qui est inspirant, c'est finalement c'est la vie des gens, j'ai envie de dire tout simplement, la vie de tout le monde, la vie des familles sur le territoire. Et on doit s'attacher à apporter le meilleur habitat possible, avec le meilleur confort possible, les meilleurs modes de communication, les meilleurs modes de transport, pour que cette ville soit réellement durable. Voilà pour moi les sources d'inspiration très simples qui nous poussent aujourd'hui à innover et améliorer cet habitat durable.